dans cette nouvelle semaine de vlog. Nous sommes mercredi 15 septembre. Je suis désolée pour le cadrage un peu hasardeux, mais voilà, faut que je bobine pour le festival et c'était pas prévu. Mais je pense que je vais être obligée, après le festival, de revoir toute ma manière de travailler. J'avais pas envie. En fait, j'ai bobiné toutes les pelotes de laine de pays. Elles étaient tout bon, tout nickel. Voilà. Il y avait un petit peu plus de grammage, donc j'en ai profité pour récupérer de quoi faire des... échantillon. Désolée, j'ai reçu pour ce week-end. Donc, je disais que la laine de pays, j'ai pas eu de soucis sur le grammage. L'alpaga, j'ai pas du tout de soucis sur les grammages. Que la bisée, j'ai des échevaux qui font 88 grammes. Donc autant vous dire que je ne peux pas vendre des échevaux sous le format 100 grammes alors qu'ils ne font pas 100 grammes, n'est-ce pas? Et le problème c'est que c'est hyper aléatoire et en fait je pense que ça vient du fait qu'ils travaillent sur des très vieilles machines. Ils ont remis c'est une vieille filature avec des vieilles machines à l'ancienne. Donc je pense que... effectivement, le calibrage doit être un peu plus difficile à faire sur ce genre de machine. J'ai pas du tout de problème avec ça parce que moi, à la base, c'est aussi pour ça que je travaille avec eux. C'est pour petite industrie, tout ça, quoi, circuit court et tout. Et oh là là, je viens de me faire agresser par l'odeur du plastique, c'est. Moi j'étais bien mon nez dans ma laine, là. Les gens ils disent que la laine ça sent fort, mais elle venait sentir ça. Au moins la laine ça sent quelque chose de naturel. Pouf. Bref. Ah. Tout ça pour dire que là je n'ai pas le temps puisque je pars après-demain matin, n'est-ce pas? Donc je vais voir en rentrant. Mais je pense que je vais être obligée de vendre sous format 50 grammes. Et de... Enfin oui, je vais être obligée de vendre sous format 50 grammes. Je vais devoir arrêter les 100 grammes en fait. Pour moi c'était plus pratique parce que j'avais pas besoin de... Je bobinais qu'une fois. Que là si je vends 50 grammes, il faut que je mette mon écheveau en pelote. Il faut que je pèse ma pelote, que je la divise. Et que je pelote l'autre moitié. Donc ça va me demander... deux fois plus de manutention. Donc je suis en train de me dire que voilà, puis il y a ça et il y a aussi le fait que moi quand j'achète un prix au kilo et en fait vous avez des grosses balles de 500 normalement de 500 grammes, donc de 5 échevaux. Il y a toujours 5 échevaux dans les balles hein. Donc elles sont fendues sous ce format là, donc hop, on dit, voilà, il n'y en a que 4, mais on dit vous avez vos 4, vos 5 pardon. Hop, elles sont entortillées et elles sont vendues comme ça. Et donc, moi, à chaque fois, j'ai bien, si j'achète un kilo, j'ai bien mes 10. Sauf que je ne pèse pas. Et soit il faut que je pèse tous mes échevaux avant et ceux qui font 110, bah, il faut que j'arrive à les jumeler avec d'autres qui font moins et faire un joint russe. Ce qui fonctionne très très bien, le joint russe. Je préfère le joint russe que ceux qui... dans les filatures en fait ils vous font juste des nœuds. Alors moi ça me dérange pas d'avoir des nœuds dans des pelotes, pour moi c'est normal, il y a un moment donné on peut pas avoir on peut pas avoir tout le temps des échevaux magnifiques qui font tant de grammes, en tout cas dans la laine de pays. Dans la superwash c'est différent apparemment, mais ou alors ils partent du principe qu'ils ont beaucoup de pertes et du coup bah, les fins de cône je sais pas ce qu'elles deviennent, mais bref, là, il n'y a pas de fin de cône. Quand il arrive à la fin de son cône et qu'il a fait ses échevaux, il reprend un nouveau cône et puis il rééchevaude. Ce que moi, personnellement, je trouve normal, avoir des nœuds dans mes plots. Si j'en ai qu'un dans ma plot, ça ne me dérange pas, quoi.
avoir 10 nœuds, c'est différent. Je ne sais plus, j'avais acheté, je crois, c'était chez Hobby, une laine acrylique comme ça, où je me suis retrouvée avec 3 ou 4 nœuds dans une pelote de 50 grammes. Là, ça fait beaucoup. Mais bref, du coup, en fait, si à chaque fois, pour le prix que j'achète, j'ai pas le poids que j'achète, bah, je vais être obligée de répercuter ça. Parce que sinon, j'ai plus de manutention, donc je passe plus de temps. Et j'ai moins de matières premières. Donc au final, je perds de l'argent par rapport à ce que moi j'avais prévu, par rapport à mon plan de financement. Voilà. Alors j'estime. Enfin, j'estime. Tout le monde me dit que je vends pas assez cher, mais. Mais ça, c'est, comment dire, c'est personnel, hein. C'est quelque chose de, voilà, moi j'ai fait mon, j'ai chiffré combien je passais de temps sur un écheveau, combien je voulais me payer de l'heure, et le tarif horaire n'est pas le même sur le, par exemple sur le, la laine, que sur les sacs à projet, que sur la broderie. La broderie, par exemple, je ne peux pas vous la facturer ce que je prends en main d'œuvre pour un sac à projet. La broderie, je suis à moins de 3 euros de l'heure parce que, en fait, la broderie. Non, je dis non, moins de 4 euros de l'heure, pardon, je dis une bêtise. Le problème, c'est que si on commence à facturer le temps réel qu'on y passe, personne n'achète. Hein. C'est beaucoup trop. Enfin, après, on est sur presque de l'élitisme, pas dans le sens que le produit. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Mais en gros, le budget, moi, le but aussi de mon entreprise, c'est d'avoir un budget à la portée de tout le monde. Alors, si du coup, je me retrouve à avoir des marque-pages qui font 30 euros et des sacs brodés grands comme ça qui en font 100, enfin, non, c'est pas dans ce sens-là, moi, que je souhaite développer mon entreprise. Et puis, c'est aussi pour ça que je ne fais pas que des trucs brodés à la main, par exemple, parce que sinon, j'ai bien conscience que c'est compliqué. Enfin bref, ça c'est une réflexion qui est totalement personnelle, c'est propre à chacun, sa manière de voir comment on veut gérer son entreprise, l'éthique qu'on veut lui donner. C'est très personnel. Mais donc bref, tout ça pour dire que je vais être obligée. La semaine prochaine, je pense que je ne travaillerai pas physiquement, mais je vais être obligée de tout reprendre. Sachant qu'en fait, je dois aller à la filature dans une semaine et demie maintenant pour aller chercher les laines pour les box. Parce qu'en fait, je vous l'ai dit, je vous l'ai pas dit, je sais plus. Donc pour les box bagnodées avec les marmottes, j'aurais dû déjà avoir la laine. Sauf qu'apparemment, enfin c'est pas apparemment, j'ai donc appelé la filature et ils ont reçu les toisons en retard. Donc il a pu s'y mettre que la semaine dernière, contrairement à ce qui était prévu. Alors en plus, je pense que là, ça doit être un peu la course, parce qu'il y a Feltin qui arrive bientôt. D'ailleurs, cette année, j'irai sûrement faire... S'il n'y a pas de passe sanitaire, j'irai sûrement faire Feltin. On verra. Advienne que pourra. Déjà, je vais essayer d'être prête pour ce week-end. Et ensuite, on verra. Voilà, sinon, j'ai reçu cette petite chose pour les paiements par carte bancaire ce week-end. Donc ça, il faut que je me penche là-dessus avant de partir, n'est-ce pas? Et donc j'ai vu, ils mettent avec... Ah bon, moi je vais pas le coller, mais je trouve ça pas mal du coup, de comme ça on voit de loin les personnes qui prennent ou qui prennent pas. Parce que moi, il y a deux choses qui me gênent. Quand je vais dans un commerce ou peu importe, hein, ou même sur une brocante ou autre, c'est quand les prix sont pas affichés. Ça, c'est quelque chose... pour moi, je me sens forcée d'acheter quand je vais demander un prix. Je vais pas être là à dire « Ah bah non, c'est pas dans mon budget » ou... Ouais, donc j'aime pas ça. Mais encore une fois, c'est tout à fait personnel. Il y a des gens qui ça ne me dérange absolument pas de demander le tarif. Et c'est ces gens-là qui ont raison. c'est moi qui ai des problèmes avec ça. Mais voilà, je pense que quand... Enfin, moi, j'aime quand je vais acheter quelque chose, que les affichages soient clairs. Que si quelqu'un ne prend pas les chèques, que ce soit indiqué. Que si quelqu'un prend la carte bleue, mais a un minimum pour la carte bleue, que ce soit indiqué. Voilà. Donc voilà. Et normalement, il n'y a pas de minimum pour le sum-up.
Je vais regarder ça. Voilà, j'ai ouvert mes deux petites pages en français. Et je vais regarder ça pendant que mon bobinot a refroidi, parce que là, le pauvre, je crois qu'il est un peu au bout de sa vie. Et puis, je vais voir, mais ça, c'est pareil, c'est quelque chose que je voudrais proposer sur la boutique. Je pense que la semaine prochaine, je vais vraiment revoir tout ça. En fait, pour le festival, donc vous, vous l'aurez vu si vous êtes venu, si vous êtes bien dû. Oui, bon, je... Voilà. Je suis toute seule avec mes plots depuis, depuis 3 jours. Alors en fait, je vais proposer, j'ai, comment je peux vous montrer ça? Hop. En fait, ma mère m'a prêté, m'a donné, pardon, une étagère. Enfin, c'est pas une étagère, c'est un petit présentoir. Hop. En fait, qui se présente comme ça. Voilà. Et donc, je me suis dit que ce qui serait vraiment chouette pour les bonnets, pour les kits des bonnets Lunaria, c'est de faire un panier pour les petits. Donc, je vais faire un... Comment dire, une présentation type. Donc, par exemple, ben, il vous faut 50 g de laine naturelle. Et ben, alors, ça, c'est un cheveu, ça. 50 g de laine naturelle, 20 g de contrastant principal et 2 mini de pour faire en fait pour celles et ceux qui me suivent depuis peu, le bonnet Lunaria, c'est un patron que j'ai sorti sûrement l'année dernière. Et ça, c'est la version enfant, donc il y a un truc en... Donc bref, pour vous proposer les kits. Et donc, je suis en train de tout perdre. Je voudrais faire un étage avec les mini, un étage avec les 20 grammes et un étage avec les 50 grammes. Et comme ça, en fait, vous pourrez créer votre kit. Regardez-moi ça. Ça. C'est... J'ai fait quoi? J'ai fait que 3 échevaux de biset du Massif Central et voilà ce que j'ai par terre. Il y en a partout. Bref, parce que je ne veux pas contraindre les gens dans un kit préfet avec des couleurs préfaites. Je ne suis pas comme ça. Et donc, je ne veux pas contraindre. Et du coup, je ne sais pas, je trouve ça chouette de pouvoir créer son kit. Donc, vu que maintenant, sur mon site internet, je peux... il y a des nouvelles fonctionnalités. Donc, a priori, c'est quelque chose que je devrais pouvoir mettre en place. On verra. Je ne promets rien, mais je devrais pouvoir mettre en place. Donc, voilà. Je vais retourner. Ouais, j'ai encore tout ça à faire. J'ai l'impression que je ne vais pas m'en sortir. Non, non, franchement, ça, je suis vraiment pas en retard du tout, du tout, du tout. Mais c'est qu'en fait, je suis restreinte par mon bobinoir électrique. Je le savais quand je l'ai acheté, c'est pas à usage industriel normalement. Alors, je dis pas que je suis une industrie, c'est pas. Mais disons à usage professionnel, plutôt. Et du coup, bah. Il chauffe Marcel, donc il faut que je laisse refroidir régulièrement. Donc je suis au niveau du temps un peu restreint, et en fait je voulais avoir fini demain midi pour pouvoir ranger le camion demain après-midi, enfin ranger, charger le camion demain après-midi et commencer à préparer à manger, parce que du coup Je vais déjà préparer des plats pour vendredi soir, pour au gîte, parce que je vais clairement pas faire à manger le soir. Donc, allez, je vais peigner mes échevaux. Oui, alors, 2 choses. Voilà, encore. Oh là là. On commence toujours par du blabla, vous remarquerez. Sachant que moi, je vous ai quitté il n'y a pas longtemps, je vous ai quitté hier. Je peigne mes échevaux avant de les bobiner, parce qu'en fait... voilà à quoi ils ressemblent quand ils sortent du séchage de la casserole. De la casserole et du séchage. Et en fait, la laine de pays, c'est une fibre qui va... Oui, c'est une fibre qui accroche.
qui est pas lisse comme enfin la laine de pays, la laine non superwash tout court en fait. Et du coup, pour éviter les bourrages quand ça se dévide, eh ben je repeigne mes échevaux. Vous vous rendez compte, vos échevaux sont peignés avant d'être mis en pelote. Si ça, c'est pas du chouchoutage. Bref, il faut un petit tour chez l'esthéticienne avant de monter sur les chevaux d'oie. Et le dernier truc qui me fait un peu sourire ce matin, ça m'a enlevé le côté je suis trop saoulée de devoir tout reprendre à zéro. Voilà. Bref, c'est que j'ai voulu faire la teinte celle-là. Non. Mon bleu aigle marine. Que j'ai en deux teintes, ça c'est pareil, je vais arrêter les teintes 1, les teintes 2, parce qu'en fait c'est pas. C'est beaucoup trop de travail, c'est pas gérable. Enfin, je suis en train de revoir toute ma manière de travailler. Et donc, j'ai voulu le faire. Puis je mettais mes pigments, je dis mince, ça fait quand même beaucoup de pigments. Hein. Je trouve ça. J'ai pas l'habitude d'en mettre autant, mais comme je n'avais pas refait depuis que j'avais une balance qui n'était pas défectueuse. Je me suis dit, bah, peut-être que c'est ça. Hein. Vous voyez la différence entre la teinte 1 et la teinte 2. Je ne sais pas si vous allez voir une grosse différence. Bref. Quand j'ai plongé la laine dedans, j'étais en mode, je voulais la retirer. Je me suis dit, non, c'est bête, c'est trop tard. Et voilà. Donc, alors, c'est pas le coloris saphir, puisque le coloris saphir n'a pas le même mélange de pigments, donc je ne peux pas le vendre comme étant du coloris saphir, donc je le vends comme un coloris non reproductible à 3 échevaux. Et en fait, au moment de les bobiner, il n'y a rien à faire, ils ne voulaient pas se bobiner correctement, ça me faisait des pelotes qui étaient moches, la tension était vilaine. Ça m'a agacé, donc du coup, toi, tu veux rester moche, et bien tu resteras moche. Et donc, du coup, c'est la couleur, celui qui voulait rester moche. C'est-à-dire que toutes mes laines ont un coloris de pierre naturelle. Bah lui, c'est le seul qui s'appellera celui qui voulait rester moche. Donc, si vous voulez adopter celui qui voulait rester moche et qui n'a pas été vendu, je le mettrai sur les internets. Voilà. Allez, sur ce... J'ai encore beaucoup de boulot, donc je vais arrêter de blablater, je vais faire à manger, ma grande va rentrer du collège, et comme ça, une fois que tout le monde a mangé, c'est reparti mon kiki. A plus tard. Et bonjour, alors nous sommes jeudi matin, il n'est pas super tôt, il est 8h30. Je viens de terminer marque-page Mimosa et donc j'ai tout ça rassemblé ce matin. Alors, je suis désolée pour vous. Les filles sont parties s'arranger leur petit déj ce matin. C'est pas très cool. C'est une barrange en même temps. Qui veut lécher la confiture? Il me reste aujourd'hui à étiqueter une grosse partie des laines que j'ai faites hier. Elles sont là. Ah, vous allez même voir ce qu'il y a dans mon frigo, c'est magique. Il y a d'autres courgettes. Qui veut des courgettes? Cette année, c'est la fiesta de la courgette. J'ai même hésité, je vais peut-être le faire. J'ai hésité à envoyer un message à Mélisse pour lui demander si elle voulait que je ramène des courgettes demain. Bref. Je vais peut-être le faire. Je vais peut-être envoyer un message pour lui demander. Je ne sais pas si elle fait un potager. Je crois pas. Donc, il faut que je termine ce matin. Je me suis rendu compte qu'il manquait un échantillon pour la biset en 3 mm. Parce qu'en fait, j'ai fait des échantillons, alors tac, tac, tac. Là j'en ai fait un pour l'alpaga et du coup j'en ai fait pour tous sauf pour
La bisée en 3 points, c'est le chien qui se gratte. Donc, il faut que je fasse ça, que je le lave, qu'il sèche. Je vais aller m'habiller aussi, parce que accessoirement, hein, c'est quand même pas mal, prendre le temps de faire ça. Hier soir, j'ai terminé à 8h30. J'ai pas terminé, je me suis arrêtée, c'est pas la même chose, tout est dans la nuance. Je me suis arrêtée à 8h30. Pendant que j'étais en train de bobiner tout ça, j'ai fait à manger vite fait. Et du coup, après, c'est l'homme qui a pris le relais, qui a fait manger, qui s'est occupé de ça. Donc, ça m'a permis de continuer à bobiner. Et en fait, pardon, Beetlejuice, je vais vous montrer. Pardon, Beetlejuice. Du coup, oula. Du coup, j'ai prévu tout ça. Je l'aime bien, mon petit panier de boulettes. Je sais pas, j'ai envie d'aller dedans. Et du coup, j'ai mis aussi, parce que c'est le même échantillon, j'ai mis de la bisée en 3 brins. Donc, il y en aura quelques-unes. Il n'y en a pas énorme, je crois, mais il y aura le coloris. Alors, celle-ci, j'ai envie de m'en refaire un pour moi, en fait. Parce que déjà, j'avais adoré le faire dans ce coloris-là, qui est le coloris Rhodonite, mais qui ne sera pas tout à fait de cette teinte-là pour les restes, puisque j'avais fait celle-ci avant, quand j'avais encore ma balance défectueuse. Donc là, j'ai refait le coloris, mais il est légèrement plus clair, très légèrement plus clair. Et là, en fait, j'ai ce combo-là qui me... Alors bien sûr, pas forcément avec... cette comment dire, il y a des quantités de laine différentes, hein. Mais j'aime bien comme ça, j'aime bien. Donc ça, c'est onyx naturel, clinohumite et naturel laine de pays et naturel bisée du massif central. J'essaye de vous les mettre un peu plus longtemps parce que je sais que des fois ça fait la mise au point pile poil quand je m'en vais. Ah, puis alors, ça fait mise au point sur le frigo derrière. Voilà. Et alors, je sais pas vous, mais moi, j'adore. J'adore. Mais, oui, il y aura aussi du améthyste en biset. Et quelques restes. Il me restait quelques boulettes de opale. Est-ce que vous allez voir opale et ils vont bien ensemble, opale et améthyste. Ensuite j'ai fait hop, j'ai pas une boulette. Ah, la boulette. Humour du petit déjeuner, bonjour. J'ai ensuite fait le panier. Alors, je vais bien entendu faire en sorte que les paniers soient moins pleins parce que sinon c'est pas facile d'aller piocher dedans. Et comme j'ai plusieurs couleurs de plusieurs pelote de la même couleur, je pense que je vais en mettre un de chaque couleur à chaque fois. Donc ça, c'est les 20 grammes. En fait, pour faire le bonnet, il faut une 20 grammes, deux mini, et on va essayer de prendre quelque chose qui va avec, et une pelote, si j'en ai, et une pelote de 50 grammes. Les kits, ils sont à... Maman, elle avait mis... Ça, c'est l'affiche de ma maman. Mais ça, c'est pas trop compris, je pense. Je sais plus. Ah oui, je suis désolée. Je ne connais pas les prix que je pratique. Je sais, c'est pas bien. La laine, c'est bon, mais les kits, je sais plus. De toute manière, je vais me noter. Il faut que je note tous les tarifs puisque Laurine vient m'aider, mais c'est pareil, elle ne connaît pas les tarifs. Donc, il faut que de toute manière, je me fasse une fiche récapitulative. Et il faut que j'aille. Oh, je ne sais pas si j'aurai le temps. On verra. Sinon, ça sera demain. Je récupère Laurine à Toulouse à 13h et des bananes. Et donc si j'ai pas eu le temps d'aller acheter des trucs, je le ferai sur Toulouse. Ce problème, c'est que je vais avoir le camion, alors comme c'est une ville que je connais pas, pour trouver des endroits où se garer,
Bon, bref. Donc, du coup, voilà, j'ai fait plein de boulettes de 20 grammes. Mais là, mon panier, il est trop plein. Là, faut que je le vide. Et en dessous, il y a celui avec les 50 grammes. Donc, ma dernière balle d'opale. Et bah, là, il faut que j'en fasse. Elle est où? Elle est là. Faut que j'en refasse, oui. Oui, il faut que j'en refasse. Ah oui, j'avais pas prévu ça. Bref. Mais si, je suis bête, j'en ai plein là. Enfin, plein. J'en ai là. Et voilà. Ça sera comme ça sera. Hein. Je vais pas me mettre à la rate au courbouillon. Déjà, je suis très contente de tout ce que j'ai pu faire dans le peu de temps que je m'étais imparti. Bref. Donc, bah c'est parti, ouais, pour m'entamer la journée. Enfin, bon, moi, la journée, elle est entamée depuis un petit moment, puisque j'ai commencé à broder à 7h du matin. On se lève à 6h30 ici. La grande commence à 8h, mais il lui faut une heure de bus. Donc il faut qu'elle se lève à 6h30 du matin. Ça fait une grosse différence entre le collège, enfin primaire et le collège pour elle. Du coup, ça, je vais me faire réchauffer mon café parce qu'il est froid. Et puis, ah oui, je voulais vous dire, pendant que j'étais en train de faire ça ce matin, j'ai regardé le podcast de Tricostérone, Thibaut, son dernier. Et alors, moi j'adore parce que, bon, déjà, j'aime toujours ses podcasts. Mais alors, quand il commence à parler de douceur, de laine rustique, moi ça me fait vibrer. Je suis fan. Enfin, quelqu'un qui... Ouais, parce qu'à chaque fois, on est là à dire, ouais, à juste titre, que la laine rustique, enfin rustique, je vous l'ai déjà dit, c'est un mot que malheureusement... qui a pris une mauvaise connotation, je trouve, dans la tête des gens. On verse même limite un peu dans l'abus de langage maintenant avec ça. Enfin bref, c'est pas un problème. Mais les laines non superwash, sans traitement, ça va avoir forcément un côté plus sec au toucher. Mais c'est pas, il faut arrêter de dire que la laine c'est piquant. C'est pas, enfin. Je vous l'ai déjà dit, moi je trouve qu'il y a des laines, comment dire, synthétiques qui grattent, qui sont piquantes. Bah quand il y a de la stellina notamment, moi ça me... J'ai du mal avec la stellina. Mais bref. Mais en fait, c'est pas... ouais, c'est pas... Dans la généralité, après bien sûr que dans les laines rustiques, vous allez avoir des fois des laines qui vont vous gratter, mais comme mon conjoint il n'avait pas supporté, c'était la tweed, comment elle s'appelle, de chez Cheval Blanc. Il y a de l'alpaga dedans et il fait des réactions allergiques à l'alpaga. Mais disons que voilà, dans la généralité, c'est pas parce qu'une laine est sèche qu'elle va gratter. Et puis plus vous la portez, qui c'est qui disait ça? Ben, c'est Agathe Power of Tricot aussi qui disait ça avec son gilet pour aller au bal. Qu'en fait, une fois que vous l'avez sur vous, que la laine a pris la température de votre corps, ça fait comme une seconde peau. En fait, on le sent presque plus. Comparé à, là, j'ai mis le polaire ce matin. J'ai du mal, moi. Je trouve ça... Je tout ce qui est synthétique, je ne peux pas porter, mais... Mais bref, voilà, tout ça pour dire que j'ai... Ah, il m'a fait ma journée. Et tu m'as mis de... Si tu passes par là, je te fais un coucou. Tu m'as mis de très bonne humeur. Ça se voit pas, mais je suis de bonne humeur. Je suis juste un peu fatiguée. Donc, ouais, j'adore. J'adore parce qu'en plus, il tricote tout sans distinction de l'acrylique... de la superwash, de la non-superwash. Et moi, j'aime bien les gens comme ça qui parlent et qui savent de quoi ils parlent. Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire qu'ils ne supportent pas la laine non-superwash alors qu'ils n'en ont jamais tricoté, ils ont juste fait ça une fois.
Puis ils se sont dit, voilà. Mais c'est pas comme ça qu'on sait si une laine elle va vous convenir ou pas, en fait. Une fibre, parce que pas forcément une laine, une fibre, il faut la porter pour savoir si ça nous convient, si on la supporte. C'est comme un vêtement, une coupe de vêtements, faut le porter pour savoir si ça nous va, si ça nous convient. Donc voilà, c'était le moment. le moment. Je déforme ma laine. Enfin, je suis pas chauvin, hein. Je ne pratique pas le chauvinisme à temps plein. C'est juste que. Voilà, faut essayer pour savoir ce qui convient ou ce qui convient pas. Et après, je comprends tout à fait d'avoir des réticences à acheter, par exemple, une quantité pull, même une quantité châle. Hein. Dépenser de l'argent dans quelque chose où on va se dire, ça se trouve, je vais pas le supporter, ça va me gratter. Moi, je comprends tout à fait. Quand je dis ça, c'est pas du tout dans le sens de la critique. Donc, mais c'est vrai que quelque part, des fois, on passe à côté de choses et c'est un peu dommage. Vous voyez, là, je suis en train de regarder mon gilet doudou, mon préféré de préféré, celui que je mets en toutes circonstances. C'est alors d'ailleurs, il faudrait que je le relave et que je le relève parce qu'il a commencé à prendre. D'ailleurs, on va changer parce qu'en fait, celui-là, hop, là, c'est mon truc pour aller courir. Ce matin, il a fallu, sans courir, mais il a fallu aller chercher de la confiture dans la dépendance là-bas. Et donc, voilà, c'est le... Albi, je sais plus. Mince, c'était un kit que j'ai acheté chez Lanae Tricot. Et en fait, c'était une laine que je voulais essayer depuis longtemps, donc qui n'existe plus. Je vous remettrai au montage, je vous mettrai le descriptif en dessous. Et ça, c'est le gilet où je le porte tout le temps. Pour moi, c'est doux, ça. Dès qu'il rentre en contact avec la peau, il se passe quelque chose. Voilà, ça se met... on sent les fibres qui font tchic. Et puis d'un seul coup, elles se ramollissent en se mettant à la même température que le corps. Et alors, je me suis fait la réflexion. Je ne sais pas si ça va durer, mais alors... La dernière fournée, je vous l'ai déjà dit, la dernière fournée de laine de pays 3 brins, donc la écrue, que j'ai eue. Ceux qui viendront au festival, vous verrez. Ceux qui sont venus au festival, vous avez vu ce que vous l'aurez la semaine prochaine. Elle est presque aussi douce que l'alpaga merino. Oui, j'ai envie de les prendre et de faire ça pour vous le prouver, mais vous, ça ne vous dira rien. Et puis je vais peut-être pas me frotter le visage avec des échevaux que je vais vous faire, avec des plottes que je vais vous vendre. Mais enfin voilà, là pour le coup la bisée est plus sèche parce que là elle est vraiment moelleuse, elle est douce, elle est et je sais pas ce qui a changé. Alors ce qui a changé, c'est que déjà les toisons sont jamais les mêmes, hein, puisque c'est un regroupement de toisons françaises. Et puis peut-être que il y avait un élevage qui avait une race de moutons plus douce que d'habitude, je ne sais pas. Mais en fait, j'ai hésité à me mettre des échevaux pour moi de côté. Je voulais faire le fougère de Malorae Designed. Et je m'étais mis de côté des échevaux de Bizet. Mais là, j'hésite à le faire avec les crues. Bon, en même temps, il faut déjà que je fasse échantillon parce que je ne sais pas si ça correspond. Allez, on va arrêter de blablater. Il est 9h10. Donc, je vais aller me laver. Ah oui, il faut que je fasse aussi. Il faut que je termine de remplir mon profil SumUp. C'est d'ailleurs assez étonnant. Normalement, pour avoir donc, le TPE qui est là. Il faut un numéro de Siret. Et quand je remplis le... Donc j'ai réussi à le mettre sur mon Huawei. Alors en fait, le... Ouais, je passe du coca. Oui, pardon. Le Huawei, je ne peux pas installer tout dessus puisque les nouveaux, ils sont fait boycotter par Android. Donc j'ai pas accès à l'App Store. Donc certaines applications, je ne peux même pas les télécharger. D'autres, je peux les télécharger, mais elles ne fonctionnent pas. Donc bref.
Du coup, j'ai réussi à télécharger l'application et là je vois qu'il me dit que le numéro de tirette n'est pas. Alors moi je m'en fiche, hein, j'ai mon numéro de tirette, c'est pas la question. C'est juste que certaines personnes disaient que c'était indispensable pour avoir le salope. Alors du coup, ça m'a intrigué. Donc j'ai pas rentré mon numéro de tirette et puis je le remettrai après, j'irai changer mon profil. Mais voilà, par curiosité, je me suis dit on va regarder, est-ce que ça valide ou est-ce que ça valide pas, comment ça fonctionne, ou est-ce que du coup c'est mon application qui bugue. Et je prends avec moi de toute manière ma tablette et une rallonge parce que si ça ne fonctionne pas sur mon téléphone, il faut que je mette l'application sur ma tablette. Sauf que elle n'est plus toute jeune maintenant, c'est la Chili. Et c'est une tablette de gamer. Et en fait, je crois en 2-3 heures, j'ai plus de batterie déjà. On va voir. De toute manière, je charge le camion cet après-midi. Oh là là, c'est en train de. On a re du brouillard. On avait du soleil ce matin et là, oh, c'est en train de descendre. Bref, allez, on y va. Je crois que c'était tout ce que j'avais à vous dire. Hier, quand j'ai tout rangé, je me suis dit, tiens, j'ai oublié de parler de ça. Ça me reviendra sûrement. Allez, on va se faire chauffer un café et on va coudre toutes ces petites choses parce que j'ai dit que j'emmenais des marque-pages. Donc, j'emmène des marque-pages. À plus tard! Avec un truc qui est complètement déglingué, c'est moi. Oh, bobine! Thank you.
Bonjour, nous sommes lundi 20 septembre. Je vous retrouve après plusieurs jours pas du côté de la caméra. Je suis désolée pour ma tête. Faudrait faire avec ma tête de fatiguée. Donc, pour la plupart d'entre vous, vous savez que j'étais à Weekend. C'est Weekend. Elle est toute abîmée, mais je m'en fiche la carte. J'aurais dû la faire dédicacer par l'équipe de l'asso. Bref. Donc, je vous aurais mis avant les petits films que j'ai pu faire. J'en ai pas fait beaucoup, je suis désolée, mais du coup. Bah, ça a été quand même assez intense. Le vendredi matin, je suis partie tôt. J'ai récupéré Laurine à Toulouse. Après, on est parti déposer une partie des affaires et récupérer les clés au petit appartement qu'on avait loué. On est allé déposer des affaires sur le lieu du festival. On a commencé à monter des trucs. On avait monté le barman, tout ça. Et le samedi, bah, on est allé installer tout. Il a plu toute la journée. On est parti un peu plus tôt. Je crois qu'on est parti à 17h30. Alors que normalement, ça termine à 19h. Mais en fait, le concert, le soir, avait été annulé à cause de la pluie. Donc voilà. Rebelote le dimanche. Et dimanche, il a fait beau, mais on a eu des rafales de vent toute la journée. Alors fort heureusement, moi, comme j'étais pas équipée, j'ai tout fait en système D. Et en fait, le barnum, je l'ai ancré avec des suspentes. Quand on fait des plafonds en placo, on a des grands rails métalliques avec plein de trous. Et il en restait... Alors j'avais vidé complètement et nettoyé le camion. Et il restait deux suspentes que... J'ai vu la flemme d'enlever, et bah heureusement, parce que sans ça, le Barnum se serait envolé, ça aurait été une catastrophe. Donc voilà, tout a été en système D, mais c'était rigolo. Moi aussi, enfin, j'ai un peu été élevée comme ça, à l'imprévu, et puis du coup, ça fait des super souvenirs. Du coup, bah moi j'étais entre un instant chez moi, donc la mercerie d'Aurélie à Tarascon. Qui était tenue par... Ben voilà, j'ai perdu son nom. Je vais avoir oublié plein de noms. C'est horrible. Ça me reviendra tout à l'heure. Emmanuel. Je crois que c'est Emmanuel. Et à côté, j'avais Mélise, qui était avec Cathy. Cathy Lys sur Instagram. Et on a vraiment bien rigolé. C'était super sympa. En plus, bah, Laurine, elle est partie un peu plus tôt. Elle a été ramenée à Toulouse par Maud. Maud Imaginaire, si tu passes par là encore. Merci, merci, merci. Et des bisous. Et du coup, j'ai fini la journée avec Cathy qui m'a aidé à remballer le stand et tout ça. Et j'ai oublié son nom aussi. Elle est chouette, ça rime avec elle est chouette. C'est pas Paulette ? Paulette, elle est chouette. Un truc comme ça. Corrigez-moi si vous savez, dites-moi en dessous. Donc voilà, l'équipe a été vraiment... Enfin, les bénévoles ont été vraiment super. Ça a été, l'organisation était vraiment géniale parce qu'en fait déjà, on avait un champ pour se garer. Alors, vu qu'il a plu samedi toute la journée, autant vous dire que pour sortir le samedi soir avec le camion qui n'a plus de grippe sur les pneus avant, c'était assez rigolo. Donc on avait 4 mecs pour pousser le camion pour nous sortir de là. Mais mis à part ça, voilà, il y avait à chaque fois du monde pour orienter les gens sur les places qui étaient libres. Il y avait, comment dire, il y avait pour aider les exposants qui étaient tout seuls. Je suis désolée, je suis fatiguée. Pour aider les exposants qui étaient tout seuls à chaque fois, les bénévoles, ils venaient voir si on avait besoin de café, si on avait besoin de... d'avoir le stand, d'être tenu, le temps d'aller faire un tour, d'aller aux toilettes. Enfin, franchement, c'était vraiment...
Et puis tous super souriants, malgré le temps, de super bonne humeur. Donc c'était vraiment super. On a passé un super moment. Et donc, tout ça, vous vous en fichez, vous avez envie de voir, vous. Ah, de l'aide. Vous êtes là pour ça. J'ai rencontré 3615 Kumquat. Je t'ai demandé ton prénom, je t'ai pas demandé ton prénom, je crois. Tu me l'as dit, t'as dû me le dire. Je suis vraiment une catastrophe pour retenir les noms. Bref, elle est arrivée sur mon stand le dimanche, elle est revenue parce qu'elle était passée le samedi, mais il pleuvait des cordes et tout. Et donc elle est repassée le dimanche pour m'offrir. C'était beaucoup trop cool, ma chaussette à cake avec Sidi Piti Panda. Je suis juste... Ah, j'étais toute gênée, mais trop contente, quoi. Mais toute gênée, c'est toujours bizarre quand on vous fait un cadeau. On n'a pas l'impression de mériter spécialement d'avoir un cadeau. Et donc, c'est sur des mini-pandas. Ah, du coup, il est là pour protéger mon deuxième écheveau pour le Orlaïa en attendant que je l'utilise. Parce que pour le moment, l'autre, c'est un petit reste, donc je ne peux pas le mettre dedans pour le moment. Donc voilà, merci encore. C'était vraiment adorable. C'était beaucoup trop cool. Et donc elle m'a demandé d'ailleurs si j'allais refaire des berlingots. Donc oui, je vais en refaire. Mais là, pour le moment, je vais d'abord... J'ai pris ça, mais j'ai pas pris le reste. Ah bah bravo. Pour le moment, il faut d'abord que je vide toutes mes caisses, que je fasse l'inventaire, que je mette le site à jour, que je prenne des photos de ce qui n'avait pas été pris en photo et qui reste. Donc j'ai là, cette semaine, ça va être beaucoup de travail informatique. Ensuite, j'ai fait un achat laineux que à la base je me suis retenue, puis bon, après je me suis dit pourquoi pas. C'est qu'en fait, j'avais prévu de rien acheter du tout. Comme j'avais déjà les frais liés au déplacement, tout ça, j'avais pas du tout prévu d'acheter quoi que ce soit sur place. Et puis j'ai un stock tellement important maintenant que. Enfin, à un moment donné, il faut être raisonnable. Donc je voulais pas acheter de quoi faire de pull ou de gilet, c'était hors de question. Mais je suis tombée sur. Un instant chez moi. C'est trois écheveaux de crème queue. Donc il y a un noir, un anthracite et un orange. Et je me suis dit. Que comme moi je supporte très mal le mohair, mais que celui-là ça a l'air d'aller, on verra. Sinon, ça sera mettre juste sur les épaules. Je voudrais me faire soit un châle, soit une étole avec. Et selon ce qui me restera du noir, je voudrais doubler la. Si ça gratte quand même, ça me grattait moins sur le stand dehors. Bref, on verra bien. La laine de pays 3 brun en onyx, j'aurais voulu la doubler en partie avec ça pour faire le bonnet avec pour mettre le pompon de Jack. Et je me dis que du coup, si je me fais un châle avec, ça sera trop cool. Donc voilà, celle-ci elle est à 7,90 la pelote, elle a 72% de mohair, 28% de soie et elle fait 210 mètres pour 25 grammes. Et donc là, c'est le coloris 81 pour le noir, 175 pour le anthracite et... Ah, c'est marrant, c'est pas les mêmes étiquettes. Ils ont refait leurs étiquettes. Et... Où es-tu, petite couleur d'orange ? Coloris 12, 118... Ils ont changé, donc ça doit être le coloris 118 pour la orange. Voilà. Ensuite, j'ai terminé. Parce qu'au final, le samedi, ça a été plus calme malgré tout. Malgré le soleil. C'était beaucoup de gens qui venaient se balader, profiter du soleil, papouiller des laines et tout. Le samedi, c'était vraiment les passionnés qui étaient venus braver. Et donc certains qui sont revenus le dimanche. J'ai dit quoi? J'ai dit le samedi au début. Enfin bref. Et le dimanche, oui, on a eu... Je trouve que proportionnellement, on a eu moins de monde le dimanche. Et donc, ça m'a permis de terminer les chaussettes.
du calendrier de l'Avent de ma grande. Et ça, c'est chouette. Maintenant, je vais terminer le Little Polygonia. Il faut absolument que je termine. Je sais même pas. Avec tout ça, je n'ai même pas regardé quand est-ce que c'était la fin du test. J'ai tricoté plus lâche sur celle-là que sur celle-là. Bon. Après, vu qu'on a toujours un pied qui est plus fort, et ben, elle mettra la plus lâche sur son pied le plus fort. Et puis, c'est pas catastrophique. Donc, c'est le modèle des bas Strippy Dundee par Charlie Couture, qui est un modèle gratuit. Et que là, j'ai fait dans la deuxième taille, donc 60 mailles. Comparé à la mini, j'avais fait la taille enfant. Donc voilà. Et le dernier achat les nœuds qui était sur le chemin, mais alors qui n'était pas du tout à Woolend. Quand on est allé faire les courses pour se nourrir avec Laurine, je suis passée à Action parce que j'avais besoin d'une tirelire que je n'avais pas trouvée ici. Et donc je me suis dit que sur Toulouse, les magasins seraient plus gros et qu'il y aurait plus de choix. Bref, juste à côté, il y avait un Zeman. Donc j'y suis passée. Parce que moi, j'ai plus de Zeman. Et donc, j'ai pris ça. Parce qu'en fait, j'avais pris l'année dernière, quand ils avaient fermé ce lundi soir, j'avais pris des pelotes pour. Je voudrais me faire un gros plaid. Mais qui aille vite. Parce que j'aurais pas le courage de faire un plaid en fingering. Et donc, je suis contente. Parce que du coup, ils les avaient. Donc, j'en ai déjà une de cette couleur. Là, c'est pas le même bain, je pense. Mais c'est pour une couverture. Donc, je m'en fiche. Et donc ils font maintenant la Julia Shiny, donc avec de la Stellina dedans. Celle-ci elle est à 2,49 les 160 mètres, et celle-ci elle est à 1,99 les 170 mètres. Et Laurine m'a ramené par sa maman un patron de mode des travaux. Ça la mini je pense qu'elle va beaucoup aimer avec un petit tissu, je vois bien avec un milleray ou un truc comme ça. Je vois très très bien. Donc voilà, là comme ça, chaud, j'ai sûrement plein de trucs. Ah oui, je voulais acheter. Ah bah si, oh, ils sont restés là. Bah, je vous montrerai plus tard. J'ai acheté des marque-pages pour le calendrier de l'Avent de mes filles. Pour dire que voilà, vu que j'aurai pas le temps de faire tout maison. Et qu'elles lisent quand même pas mal. Alors elles ont déjà des marque-pages, mais je sais qu'Abigail, ils sont tous utilisés. Donc j'ai repris les petits marque-pages et je voulais acheter des boutons, mais j'ai pas eu le temps. Et puis au moment de partir, quand j'ai vu l'heure, je me suis dit il faut vraiment que j'y aille parce que j'ai mis 5h30 à rentrer. Sachant que j'ai eu le temps du samedi et du dimanche regroupé sur la route, c'était pluie et rafale de vent avec le camion, avec les pneus avant qui n'ont pas de grippe, donc autant vous dire que j'étais pas très sereine. J'étais très très heureuse d'arriver à la maison. mais ouais, du coup quand j'ai vu l'heure, je me suis dit oh là là, je vais rentrer super tard. Déjà je suis rentrée à 11h et ouais. Donc voilà, donc j'ai son nom et je vais regarder si elle a une boutique en ligne. Sinon, je lui achèterai des petits boutons. En fait, je voulais des boutons en bois. J'ai dit que je voulais acheter des boutons en bois, je sais même plus, pour mon Orlaïa. Et en fait, le Orlaïa était au fond du camion. Au moment où j'y ai pensé, je me suis dit, bah tiens, je vais prendre le gilet, je vais aller voir. Il était au fond du camion, puis je m'étais dit, bah c'est pas grave, quand je vais ranger le camion, quand je vais le recharger. Et ben je récupérais et puis j'ai oublié. Voilà, voilà. Et puis j'étais en mode c'est trop triste, c'est fini. La prochaine fois, je dormirai sur place le dimanche soir et je rentrerai le lundi matin tôt. Mais là j'avais une séance de kiné, j'avais ma première séance de kiné pour me débloquer. Il m'a trouvé plein de trucs à faire. Donc j'ai une tendinite, alors il me disait. Les tendinites qui sont faciles à soigner, c'est celle du dessus du bras. Sauf que moi, en fait, j'ai mal en dessous. Et apparemment, ça, c'est beaucoup plus compliqué à soigner. J'ai des problèmes cervicales. Il m'a débloqué une bonne partie. Déjà, j'arrive à tourner un peu plus la tête, ce qui déjà est cool.
J'ai les muscles profonds du dos qui sont un peu atteints. Donc, on travaille tout ça. C'est pas bête pour une teinturière. Enfin, en même temps, les problèmes de dos, je crois qu'on est tous un peu touchés par ça. Hein. C'est un peu la maladie du siècle, entre guillemets. La maladie mécanique du siècle. J'irai vous chercher le petit marque-page et je vous prendrai une photo. Je vous la mettrai avec parce que là, je vais vider l'appareil pour tout charger dans l'ordinateur et commencer le vlog, le montage du vlog. Et puis je vais manger. Et puis il faut que j'envoie, parce que du coup j'avais fait toute une petite étagère pour les kits bonnets Lunaria, j'en ai refait plein. Et comme je vous avais dit, je voulais pas faire des kits préfaits. Je voulais laisser l'opportunité aux gens de créer leur propre kit. Et du coup, il faut que j'envoie les codes Ravelry pour. Donc ça, il faut absolument que je le fasse ce matin. Et d'ailleurs, une des belles rencontres aussi, c'est Quenouillé Mousseline qui est passé prendre deux kits pour. Je pense que c'est pour ses filles. Ils sont très. On n'a pas eu trop le temps de beaucoup discuter avec les gens qui étaient un petit peu plus loin du stand. C'est des personnes super sympas. Et Laurine, elle leur a acheté un écheveau de vif argent. Leurs tarifs sont plus que raisonnables. Le travail est super sympa. Les gens sont super sympas. Hélène Delphine aussi, elle est super sympa. Elle a des brebis en mérino. Enfin, c'est du mérino d'Arles qu'elle fait avec ses propres brebis. Après, il y avait tous les grands noms qu'on connaît, mais c'est pas que ça m'intéresse moins, mais c'est pas de la laine que j'achète parce qu'il y a beaucoup de super wash. Donc, il y avait La Fée Phil, Squirrel's Yarn, Arco Iris, il y avait Célène, Madeleine et Philibert. Super sympa, Madeleine et Philibert. Et leur petit chien, il était trop mignon. Il était trop chouette, leur chien. Enfin, il est trop chouette, leur chien. Voilà, j'oublie plein de noms, mais c'est, ouais, c'était chouette. Il y avait My Night aussi qui était là. Elle avait des trucs en cuir, d'ailleurs. Ça changeait un peu, c'était chouette. Son mari, il est venu nous offrir des pâtes de fruits trop bonnes. C'était super sympa. Et puis voilà. Et du coup j'ai rencontré le mari de la boutique, ce qui est très marrant. Et j'étais déçue de ne pas avoir emmené l'homme parce que je pense que tous les deux ils auraient bien rigolé. Ils ont à peu près le même humour apparemment. Ils auraient beaucoup rigolé. Très très sympa comme rencontre. Et le mari d'Aurélie là, pareil, super sympa, qui nous a sorti du champ gadouilleux pour qu'on puisse rentrer se coucher au gîte le soir. Enfin bref, voilà, c'était super sympa. Oui, j'ai vu aussi mes pelotes colorées, Clémence. Bon, on s'est vu en coup de vent, vous avez de le dire, parce qu'il pleuvait des cordes. Donc, t'es pas repassé, je pense que t'as dû rentrer. Tu m'avais dit que si c'était trop le bazar, tu rentrerais. Du coup, c'est vrai que c'est dommage, avec le temps, on n'a pas eu le temps vraiment de beaucoup discuter, parce que. On avait beau avoir tous essayé de reculer un peu nos stands ou autres, quand les gens venaient, s'approchaient, ils se prenaient toutes les gouttes du Barnum dessus, c'était pas très agréable. Donc c'est vrai que niveau papote, on n'a pas pu discuter autant qu'on l'aurait souhaité avec les gens, mais déjà c'est une première approche super sympa. Donc voilà. Eh ben, sur ce, je vais aller me faire à manger. Je vais donc charger le truc. Le machin truc chouette. Le vlog. Je suis très fatiguée. Je dois faire du rangement dans mon atelier pour pouvoir remettre tout. Et mettre en place le studio photo et prendre les photos. Et cette semaine, mettre à jour le site. Il y a un petit peu de travail. Un petit Sur ce, eh bien, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis, quant à moi, à la semaine prochaine.
Je sais pas trop si le contenu du vlog va être très intéressant. La semaine prochaine, ça va être beaucoup de papieras administratives. Donc on va voir. Mais en même temps, si c'est pas intéressant, vous regardez pas, puis c'est pas grave, je vous en voudrais pas. Allez, à très vite. Et merci encore pour celles et ceux qui sont venus, et pour celles et ceux qui n'ont pas pu venir, qui ont envoyé un petit message, et pour celles et ceux qui n'ont pas forcément osé le faire, mais qui y ont pensé. Voilà, parce que moi je sais que je fais partie de ces gens-là. Je n'envoie pas de message parce que je n'ose pas, mais je pense toujours aux gens, quand même. Bonne journée ou bonne soirée. À bientôt.